Et salut à toutes et à tous, c'est Odd. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 53 de Evoland 2. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On s'était donc arrêté ici dans l'anomalie. On avait activé ce mécanisme qui apparemment créait des entités identiques à nous. Enfin qui permettait de se dupliquer en quelque sorte pour faire une... Pour activer le mécanisme sous plusieurs formes. Enfin bref. Et on s'était donc arrêté ici. On avait trouvé ce cristal qui, dès qu'on tape dessus, hop là, on passe en 2D. Alors le double saut n'existe pas. Je me demande si... Ah, d'accord. Donc apparemment on prend pas de dégâts de chute déjà, c'est une bonne chose à savoir. Je ne peux pas. Hop, j'ai quand même envie d'aller par là. Je ne peux pas du coup en fait. Non, on peut pas. On va descendre par là. Voilà. Ok. Là, il y en a un peu partout. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Hop. Voilà. Ah, donc je peux marcher sur l'escalier. Et donc là, je vais pouvoir marcher. Voilà, sur celui-là. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, et donc là on est arrivé de l'autre côté. On va utiliser le point de sauvegarde. Oh, Magélis. On va juste regarder un petit peu. Oui, d'accord. Donc là on arrive. Ouais, non, on va s'occuper d'abord de là-bas. Là on a le Magélis. Ok, on a 4 Magélis. Plus. Un truc pour pas repasser en 2D. J'ai pas trop envie de l'activer parce que je sais pas ce qu'il y a en bas. Et après, on peut encore aller là. On a des trucs un peu bizarres. Et celui-là n'est pas activé. Alors attendez, parce que l'autre il était pas activé du coup. Hein. On va voir, mais je pense qu'il n'est. Ouais, non, il est pas activé. Donc, il va falloir que je m'occupe de celui là-haut. De toute manière, je ne peux pas agir dans le vide. Alors attends, on va juste inspecter vite fait la zone et regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à activer. Si ce n'est absolument rien. Ok, on va marcher dessus. Ah, ok, d'accord. D'accord, donc en fait c'est plusieurs trucs comme ça. C'est marrant. Voilà. C'est de plus en plus étrange. Maintenant j'entends des bruits comme un écho de pots cassés. Alors qu'il n'y a aucun pot ici. Un mystère de plus à résoudre. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que depuis tout à l'heure en fait je fais des trucs et toi tu ne le vois pas. Ce niveau est trop facile. Il suffit de marcher sur ces trucs pour que ça ouvre le passage suivant. Enfin, ce n'est pas moi qui vais me plaindre, hein. Pour une fois qu'on n'est pas trop pressé. Je peux passer là maintenant. Il y a un coffre, je viens de le voir. Alors, on va tourner, on va voir, parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Ah, génial. Je peux l'activer de là? Ouais. Et hop là! Absolument rien, du coup je ne sais pas où je suis. Faire ça parce que je vois vraiment rien. Ah, d'accord. Hop, hop. Tac.
Non, c'était une la bonne idée que j'ai eue, mais il faudrait que. Attendez, je sais. Non. Alors là, j'ai absolument pas compris. Excusez-moi, il s'est passé quoi? Non, dans le sens. Pardon, saute, hop, ah ouais. Déjà faire ça, on va regarder. Pourquoi je me fais chier juste à faire ça, regardez, attends. Et voilà. Et là on a accès au coffre. Ah. C'est un téléporteur, d'accord. J'ai activé un Magilis. Nice. Donc maintenant que j'ai activé un Magilis, on va essayer de partir dans une autre... là, voilà, ici. Je comprends pas là par contre. Je suis obligé de rester sur ces trucs là. On va attendre. D'accord. Faut que je réfléchisse. Parce que là, ouais, forcément. Si je fais ça, je suis obligé de passer en haut pour aller à droite et à gauche. Et non, si on marche en même temps que lui, ça peut être possible. J'ai l'impression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire. On va faire comme ça. Tac, 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 tac. L'un ne bouge plus. Il me reste que deux trucs. On va en faire un là. J'ai fait de la merde. J'ai marché dessus. Alors. C'est chaud quand même. Hein. Ah, je suis allé trop loin. Donc c'est ça, on peut marcher en même temps, mais c'est chaud. Putain. Ah mon Dieu. Pas du tout galère, hein, pas du tout. Ah, j'ai marché sur le bord. C'est d'aller trop vite et ça marche pas. Bref. Tac, 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 tac. Dès le début. Et dès le début, faut que je tourne à droite, mais sans marcher sur le sol. Pff, galère. Hein. Ah. C'est bon. Hop. Nice. Salut. Maintenant, c'est très simple. Thank you.
Et voilà. Pouf, c'est chaud. Connais-tu la signification du symbole de l'œil chez les magis? Kuro? Non. Les magis ont toujours cherché la connaissance. Ils voulaient tout savoir sur le monde, tout voir. Cet œil représente leur quête de savoir. C'est l'œil qui cherche, l'œil qui sait. Oh. Pendant longtemps, j'ai cru comme eux que tout pouvait être découvert. Mais il y a des choses au-delà de notre compréhension. C'est en acceptant que l'on devient plus sage. Ok. De toute manière, on ne peut pas tout savoir. C'est impossible. Alors, une autre énigme. Je regarde, hein, des fois qu'il y a des trucs à activer, n'importe. Oh, attends. Éteins-toi. Non. Bon, y'a rien. Bah, du moins, par là, y'a rien. D'accord, j'ai compris. Regardez, 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 regardez. Hop, 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 hop. D'accord, en fait, c'est juste pour neutraliser les trucs. Regardez-moi ça. Moi, une armée. Excusez-moi. Oh, il est mort. C'est-à-dire que j'ai tué... Ok, d'accord. On peut tuer les autres. Allez, Koba, il meurt. Ah, cette fois-ci, c'est lui qui est mort. Et voilà. Ça va, Kuro? Tu as l'air un peu pâle. Normal, je suis mort plein de fois. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qui se passe ici. C'est comme si j'oubliais une certaine chose. Tu te débrouilles bien. C'est comme si tu connaissais les lieux. Je l'ai remarqué dès notre première rencontre, Kuro. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. Je sais, on me le dit souvent. Oui. Et donc du coup, ça servait à quoi d'aller de faire ça du coup? Parce qu'on a activé quelque chose, c'est bien, mais... Oh, un coffre. Et hop là, deuxième Magilis. Alors maintenant, du coup, il faut trouver quelque chose qui... Ah là, bah oui. Hop là, let's go. Waouh. On a fait cette chute, quoi. Heureusement qu'on prend pas de dégâts de chute. Parce que là... Là, honnêtement, ça aurait été plutôt comique. Hop. Ah, le coffre est là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Là. On redescend. Hmm.
C'est complexe quand même. Ah, je sais. Ça ne marche pas. Je suis déçu, mais c'est pas grave. Alors attendez, est-ce qu'il y en a un là-bas? Ça a marché. Ouais, mais ça a marché, mais au final. Il me semble avoir vu de l'autre côté. Là, voilà, ici. Si on tire comme ça. C'est ça. Ça ne sert strictement à rien. Si! Si, si, si. Allez! Monte! Ah! C'est le camp! Attends. Ah, ouais, d'accord. Par contre, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Mon dieu, tuez-moi! Obligé de désactiver celui-ci. Alors attends, on va le désactiver de là. Oh attends! C'était la mort. C'était inutile de faire ça. Attends, j'ai fait quoi là? Attends, non, 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 non. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Ça là, voilà, c'est bien. Ah oui, d'accord, je suis revenu là, ok. Ouais, du coup, je ne vois pas. Mais tape! Oh! Embêtant ce monsieur! Voilà. Sûr qu'on doit pouvoir toucher celui-là. Ouais. Ah, je me suis fait chier. Dans tous les cas, ça ne sert strictement à rien, puisqu'il faut que j'arrive à atteindre là-bas. Ah, quoique, si, ça peut servir. Je crois que j'ai compris. Voilà, ça y est. On va essayer d'obtenir le coffre et on s'arrêtera là. Ouais, bah j'ai le coffre.
Il nous manque plus qu'un machiliste et je ne sais pas où le trouver. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle que le lundi, le mercredi et le vendredi soir, je stream. Normalement, cette semaine, les horaires seront à 20h. Ça peut changer. Je ne sais pas, je préviendrai sur Twitter. Les liens sont en description pour Twitch et Twitter. Sinon, d'ici là, portez-vous bien jusqu'à dimanche prochain. Et puis, à la prochaine. Allez, à plus!